Ouais, c'est bien résumé. Non, on savait que cette équipe du Mans proposait des choses. C'était une équipe joueuse, mais on savait aussi que sur la durée, il y avait beaucoup plus d'espace et à nous. Mais on savait plus on durait dans le match, plus on avait de chances de faire un grand résultat. Je pense aussi qu'on s'en sort bien à rentrer à 0-0 à la mi-temps. Mais les réajustements, les rentrées, le changement de système a permis aussi de nous redonner une bouée d'oxygène. On a le mérite de mener à 0. Et quand tu mènes à 0, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de se lâcher, de pouvoir trouver nos attaquants qui adorent la percussion. Voilà, on a fait un match cohérent, on l'a construit. Pareil, le plan de jeu, il était là, c'était de commencer dans un système et finir dans un autre pour construire notre match. Donc on est satisfait. Parce que là, sur le nombre d'occasions, ensuite, on aurait pu le tuer bien plus vite. Mais on a aussi concédé des choses, mais on a été, comme vous l'avez dit, très efficace dans les zones de vérité. Passage à 3, de 3 à 4 défenseurs, Oui. est-ce que c'est lié à la blessure de banc ou Non. simplement ce qui était préparé, Non, c'est-à-dire c'était que... préparé. On l'avait prévu dans la semaine. Pourquoi? Parce que je savais que cette équipe mettait aussi beaucoup de latéralité dans son jeu, fixée sur les côtés pour libérer, créer un à l'intérieur du jeu. Donc voilà, on l'avait bien étudié, bien travaillé. En première mi-temps, on a quand même souffert. Je le répète, on rentre à 0-0 à la mi-temps, c'est bien payé. Par contre, après, on a aussi construit notre match, je le répète, et en deuxième mi-temps, dès que déjà les rentrées ont fait de très bonnes choses, ont changé le match, et après on a fait mal à cet adversaire sur nos attaques rapides. C'est un problème à l'ischio. Ischio. Non, je pense qu'il s'est arrêté à temps, mais bon, c'est un mois d'août qui est chargé. On rejoue mardi. Il nous reste encore 5 matchs, voire 6, voire. Non, 5, c'est ça? 4 voire 5. 4 voire 5, si jamais on passe en Coupe de la Ligue. Donc voilà, il y a. Mais au-delà de la blessure de Fred, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Ntim, qui a été conquérant, qui a été intelligent, qui est un joueur à potentiel. Et puis les deux autres aussi, que ce soit Cabral et Romil, qu'on fait le job pour nous faire basculer dans la gagne. Le choix de sortir Damien, Geoffrey? pardon, dans le passage en 4-4-2, qu'est-ce qui t'a plu? Non, je voulais un joueur un peu plus. Déjà, je voulais passer en 4-4-2 et. Je voulais un joueur aussi qui connaisse le poste sur l'excentré côté gauche. Et c'est vrai que Kevin a une formation à ce poste-là, donc on est repassé tout naturellement. Et on savait que sur les côtés, avec Cherguy d'un côté, Cabral de l'autre et Chevalier Guillaume devant, on pouvait faire mal à cet adversaire. Donc satisfait du résultat, dommage de prendre ce but sur la fin, où on a un petit peu tremblé, mais on a été quand même très costaud. C'est l'histoire de ce match. On verra le prochain. Non, c'est pas que je change pas d'idée, c'est que je suis pas arrêté un système. La preuve. Pouvoir jouer dans plusieurs systèmes au cours d'un match, ça peut perturber l'adversaire fortement, et on l'a vu. Donc à nous aussi de pouvoir switcher, d'un système à l'autre en cours de match, mais c'est plutôt intéressant qu'on est en capacité de le faire. Il n'y avait pas d'état d'urgence, mais c'est une vraie respiration quand même, ce premier succès, après des débuts un peu compliqués au niveau comptable. Non, franchement non. On se voit assez souvent pour te dire, voilà, on a fait une préparation très intéressante, très cohérente. Maintenant, notre groupe a été construit au fur et à mesure, en étant patient, en voulant faire les joueurs qu'on voulait faire. Et puis voilà, ça prend forme tranquillement. C'est un championnat qui est très très dur, très très long. Et oui, c'est important de prendre des points, mais le contenu est à cette période-là est le plus important.
Par des bribes de match, on a été intéressant, pas sur la continuité, mais je retiens que le positif ce soir. Ouais, mais on en a eu beaucoup aussi. On en a eu beaucoup aussi avec Chevalier, avec Chergui, avec. C'était un match ouvert, on le savait, hein, avant le match. Deux équipes qui veulent aller de l'avant et mettre des buts. Alors après, on a aussi cette force sur l'aspect défensif où on est en capacité de faire le dos rond et de finalement concéder peu de tirs et peu de choses cadrées à l'adversaire. Alors c'est vrai qu'il y a des situations, mais au-delà de ça, j'ai bien aimé l'état d'esprit conquérant pour aller chercher cette victoire. Je répète, on a construit notre match. On savait ce qu'on voulait faire, pourquoi on était venu. On était venu pour gagner. Le maître mot, c'était d'être patient, d'être intelligent, de construire notre match, et c'est ce qu'on a fait. On a on va dire, le mérite d'être fort dans l'adversité aussi. On le sent. Que ce soit à la maison contre Nancy, qui avait une très très belle équipe, où on a réussi à être costaud, même si on a eu des situations chaudes, mais aussi on est en capacité de créer des choses. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc il y a un équilibre à trouver, il faut que ça progresse. Il y a encore beaucoup de travail, c'est évident, mais je suis satisfait d'avoir 4 points ce soir pour préparer les matchs à venir. On va. Non, mais moi je joue les matchs pour les gagner et je pense qu'à cette période de l'année, on est en capacité d'enchaîner. Donc il y a des garçons qui ont deux jaunes, donc on va essayer de faire attention quand même. Il y a des petits pépins musculaires, on va faire attention. Mais j'ai un groupe qui est assez homogène dans la qualité et on l'a vu ce soir avec les rentrants. Donc j'ai du choix et c'est plutôt une force. Donc on va viser. Je sais pas, peut-être que j'aurai un paquet cadeau en rentrant, mais non, mais c'est une volonté forte du club. On travaille dessus, on a ciblé deux profils. On attend une réponse ce week-end. Si c'est pas l'un, ça sera un autre. Mais oui, on veut avancer sur un joueur gaucher capable de jouer soit 4, soit 3. C'est vrai. C'est bon, merci à vous. Allez. Bon coup d'eau, bonne respiration, et on y va. Il était abyssal ce trou entre la 21e et la 25e seconde. C'est dommage parce que c'est le sol du match et il conditionne tout le reste. Voilà. Après, vous oubliez aussi peut-être une part de réussite. Parce qu'il y a un poteau, le poteau est sortant. S'il n'y avait pas eu ce poteau sortant sur la frappe de Confé, je n'aurais parlé que de maladresse ou d'inefficacité. Il y a un gardien aussi en face qui a fait quelques arrêts, mais c'est vrai que avoir 70% le temps le ballon, ça peut être parfois une possession passive, mais on est allé de l'avant. On a eu beaucoup de situations, des occasions, frappé 12 fois au but, on a cadré deux fois plus que contre Lens. On est en réel progrès. J'ai beaucoup aimé l'entrée de
les trois joueurs en cours de jeu. Là aussi, le banc a apporté quelque chose. Voilà, c'est une soirée en tout point réussie. Il manque l'essentiel, c'est dommage. Est-ce que tu t'attendais à ce départ aussi difficile pour le point comptable ? Non, bien évidemment, parce qu'on ne joue pas les matchs pour... pour ouais. Non, je vais regretter, c'est nos absences et puis le fait qu'on soit sanctionné cash, voilà, rien ne nous est épargné et c'est là où c'est frustrant, c'est là aussi où il faut être costaud. J'ai beaucoup aimé nos intentions qui sont restées celles que j'ai envie qu'on ait et on est resté encore une fois jusque même à 0-2 cohérent. Et vous savez, vous avez aussi beaucoup d'expérience, vous savez que quand ça ne veut pas sourire, ça ne sourit pas à tous les niveaux. Voilà, y a quand on vient mourir à 1-2, c'est jamais le fait du hasard. On a besoin de rester dans la cohérence, de bien bosser, et puis de faire en sorte que ça puisse s'inverser, parce que c'est vrai que là, c'est forcément dur, voilà, parce que c'est pas mérité, on le sait bien. Alors, le fait est que j'ai trouvé des joueurs particulièrement nerveux, très incisifs sur chaque décision arbitrale, et je trouve que c'est une forme de tension qui peut les empêcher de se libérer, notamment. Ouais, c'est. Il y a aussi l'idée qu'on n'a pas envie d'être arbitré comme le petit bleu qui arrive en Ligue 2. Et c'est un peu le cas sur les trois matchs. Les décisions, malheureusement, depuis trois matchs, au contraire. Mais si je commence à ouvrir le parapluie, j'envoie un mauvais signal aux joueurs. Parce que j'ai envie qu'on s'occupe bien évidemment de nous. Mais ouais, il y a des décisions qui. J'ai pas revu les images. Mais il faudra. C'est un peu compliqué, il faut qu'on garde cette frustration. Elle a été peut-être palpable au niveau gestuel, elle n'a pas été du tout dans le jeu. On est resté là aussi, encore une fois, intéressant et plein de maîtrise. Un petit peu d'affolement peut-être après le but ou pas, parce que toi, tu as senti l'impression que le gars il allait peut-être un peu plus vite que la musique. Il y a forcément après un moment où on se dit comment on peut être mené au bout de 25 secondes en seconde période après avoir dominé de la tête et des épaules la première et où on se dit voilà, on doit rester patient, ça peut s'ouvrir et avec beaucoup de cohérence et puis on ne joue plus pour faire sauter le verrou adverse, on joue pour revenir au score. Donc forcément la donne elle change, donc qu'il y ait 5-10 minutes de flottement c'est aussi peut-être normal. Mais voilà, j'ai félicité les joueurs. On a fait un bon match. Dans la débauche d'énergie, on y a été. Dans l'entrain, dans le gain des duels, on a fait un match plein. Après, je suis frustré pour eux et extrêmement déçu parce qu'ils méritaient un tout autre résultat. Mais j'ai pas envie qu'on cède à l'abattement. Pour répondre un peu plus à la question. On savait aussi qu'on avait un calendrier en recevant Lens, en allant à Auxerre. Voilà, c'était un match qu'on avait forcément ciblé parce qu'on se disait qu'on était aussi contre une équipe qui pouvait être de notre standing avec une vraie possibilité. Et il y a forcément beaucoup de déceptions parce qu'on sait qu'on va aller mardi à Lorient, et un déplacement difficile à Nancy, la réception de Lorient ici en championnat. Voilà, mais après, il faut jouer toutes les équipes. Alors, où on se morfond et puis on se dit que c'est compliqué, ou on s'appuie sur ce qu'on a nettement mieux fait par rapport à Lens, par rapport à Auxerre, et on se dit forcément qu'en répétant les matchs de la sorte, ça peut, et en complétant aussi la préparation des uns et des autres en termes de par rapport à l'effectif, on pourra qu'être plus performant encore. Franchement, non. Ah, sur le plan comptable. Bon, la seule inquiétude, c'est qu'à un moment, le résultat qui puisse. Enfin, le résultat. Le bilan comptable annihile les intentions de jeu et amène un peu de crainte. Voilà, c'est de peur de mal faire et qu'on n'ose plus. Voilà, c'est le seul truc, parce que le résultat, il matérialise le travail, c'est l'évaluation de la semaine, et puis ça nous permet d'avancer. Donc, voilà. C'est une évidence, ouais. C'est une évidence. Bah, c'est une évidence.
Mais vous voulez faire quoi après l'équipe? Elle n'a pas été bâtie pour faire du kick and rush, mettre à 8 derrière. Il faudra le faire parfois parce que l'adversaire sera meilleur que nous. Je pense que ce soir, on a fait vraiment un bon match. On a été sanctionné d'un manque évident. On ne peut pas prendre un but comme ça. C'est un but indigne de la Ligue 2. Je vais pas. C'est un sketch, le but encaissé au bout de 25 secondes. On ne peut pas perdre un ballon plein axe. Et sur une passe, le joueur part tout seul au but. Il n'y a pas de couverture. On est mal positionné. On est rentré 25 secondes trop tard dans cette seconde période. Et du coup, on a couru après le score. On a donné le bâton pour se faire battre. Je peux vous sortir toutes les expressions possibles. Et c'est forcément décevant. Voilà, c'est décevant par rapport à ça. Mais on est sorti 2 minutes avant la reprise, ou 3 minutes, on s'est remis en route. Après, je peux pas. C'est la première fois en tant que coach, je prends un but au bout de 25 secondes, parce qu'on a beau tout anticiper. C'est difficile à prévoir, à imaginer. Mais malheureusement, c'est le cas. Et je vous dis, après, je crois pas au hasard non plus. Voilà, je crois pas au hasard. Contre Lens, je pense qu'on avait été tout surpris de faire une aussi belle première période en oubliant d'être devant au score. Et puis il nous a manqué un tout petit peu plus contre une équipe qui avait été nickel. On a manqué dans nos intentions à Auxerre la semaine dernière. On a remis tout de suite le cap et refixé le cadre dans lequel on devait être. Et j'ai trouvé beaucoup de répondants chez les joueurs. J'ai trouvé beaucoup de répondants, encore une fois, avec les 3 entrants. J'espère trouver beaucoup de répondants demain avec les 7-8 qui auront du temps de jeu pour se mettre à hauteur ou pour finir leur préparation et faire en sorte de pouvoir postuler mardi et vendredi sur les 2 matchs à l'extérieur. Parce qu'il faut faire vivre aussi ce groupe, il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'on ait envie de se bouger. La réaction dans le vestiaire est faite de déception, mais j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, il y a aussi du peps et puis la satisfaction de se dire on y est. Voilà. J'ai trouvé un public enthousiaste jusqu'à la fin, qui a eu envie de pousser son équipe, qui l'a applaudi. Il y a la déception de la défaite, mais voilà, il faudra remettre ça dans 15 jours ici. Mais avant, on a 2 matchs à l'extérieur. Et puis voilà, on y va. Ça deviendra inquiétant, c'est quand il y aura plus cette envie de batailler, de matcher et d'être à hauteur de ce que l'adversaire pourra proposer. Après, il y a des gros morceaux, de matchs à l'extérieur, je le répète. Dans une autre compétition à Lorient, dans une autre, et puis un retour au championnat à Nancy, ça va pas être simple. Mais on doit avoir de nouveau le goût à voyager. On a pris énormément de points les dernières saisons à l'extérieur. Avoir la capacité, en ayant un petit peu plus d'espace, à essayer d'aller bousculer ses adversaires. Ouais, parce que là aussi, contre une équipe qui mène 2-0, qui est regroupée, on arrive à trouver décalage, on joue très vite, on a joué juste, on a eu beaucoup de bonnes intentions. Manzala met un vrai centre première intention. Mais c'est aussi, je l'ai presque dit, quand on a pris le deuxième, on va venir mourir 1-2, parce que c'est écrit. C'est comme ça. Il y a des matchs où le scénario, vous le voyez se dessiner malheureusement. Je me méfie des déclarations des entraîneurs adverses. La condescendance, elle est dangereuse parfois. Ils font leur boulot, ouais. Ils préparent. Ouais, mais on est une équipe qui n'a pas de points encore. C'est de la branlette, ça. C'est. Non, parce qu'elle permet. Elle permet de matérialiser la confiance que l'on doit avoir pour continuer à avancer. Et voilà, j'espère que ça va sourire. Vous ne m'avez pas posé la question, mais voilà, j'espère aussi qu'on va pouvoir compléter l'effectif et faire en sorte, encore une fois, de se donner toutes les possibilités. Il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là. Oui, parce que ça va venir, ça va nous faire gagner du temps. C'est mon côté un peu peut-être savoir les questions peut-être qui vont venir. Excusez-moi d'anticiper. Si on pouvait anticiper autant et savoir comment vont se passer les matchs, ça serait bien. Mais non, mais on sait aussi qu'on a besoin. Vous avez vu la proté des matchs, c'est costaud, c'est solide. Après, on a des occasions à bout portant en première période. Ces occasions-là, ça doit faire but. Voilà, je parle du but encaissé, mais ça doit faire but, on le sait. Mais je trouve déjà très important de se les créer, ces situations-là.
Voilà. Et on s'en crée beaucoup. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Après, on va pas se mettre du jour au lendemain à se dire, tiens, mais on a des bons joueurs, des joueurs qui servent pour certains, qui ont un temps de jeu qui est un peu plus important. Donc il faut aussi se mettre à la hauteur et être un peu plus décontracté quand on a ce ballon à mettre au fond, parce qu'on a tellement envie de le mettre qu'on fait pas forcément le geste opportun. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas en tapant, en mettant la tête sous l'eau que ça va venir. Donc si on pouvait avoir un peu d'expérience, c'est sûr que ça, mais ça viendra avec le temps. Il n'y a pas le feu encore. Est-ce que justement le profil d'attaquant que vous recherchez, c'est justement le profil un peu tueur, vraiment buteur ou... Ouais, mais tous les clubs le cherchent, le joueur. Hein. Ouais. Tous, hein, je peux vous dire, on se parle un peu entre nous. Après, parfois on le trouve, mais on ne peut pas le faire signer non plus. Hein. Donc voilà, il faut. On sait que ça peut s'ouvrir dans 15 jours. Là. J'aimerais quel surface ou profondeur, vitesse, un joueur qui soit capable de la mettre un peu plus souvent que la normale au fond quand il en a une. Et puis. Ouais, mais avec un peu plus de vivacité et un peu plus sur des courses courtes, des prises d'espace, des prises d'intervalle dans les 16, avec la capacité à enchaîner vite. Voilà, un très bon déplacement sur 4-5 mètres, la bonne mobilité pour recevoir le bon ballon et pour pouvoir finir. Ça serait bien. Ouais, je sais. Ouais. C'est pour ça qu'on prend notre temps, on attend la troisième démarque. Ouais, mais on en a depuis le départ. Mais il y en a qui n'ont pas pu aboutir. Des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu ailleurs, ou plutôt qui n'ont pas forcément ce que vous aviez fait en national, des joueurs qui n'avaient pas forcément percé, qui avaient envie d'avoir une deuxième chance. Ouais, mais après, est-ce que... Non, parce que ces joueurs-là, on les a pris déjà. Voilà, donc on voudrait avoir quelqu'un qui a forcément un peu plus de vécu et d'expérience, ouais. Pour lequel ça se retrouve un peu bouché sur les premiers matchs, notamment. On verra. Est-ce que c'est bon pour vous ? Merci. Merci à vous. Ouais, toujours un plaisir.